Vous regardez la Minute Info LSL, nous sommes le jeudi 21 mai. Voici l'essentiel de l'actualité. Mouchtaq Ousmane se fait remonter les bretelles par le ministre du Travail. Vous limogez sans m'informer, lui dit Sudesh Kalichen lors d'une réunion aujourd'hui. Réunion tenue après les licenciements de 287 travailleurs du groupe BA Investment. Parmi ces licenciés, il faut compter Brian Burns, Claudio Feistritzer, Valérie, Adila Elaine Arawat, la famille du patron Daoud Rawat. Mouchtaq Ousmane lui dit licencier ceux qui touchent de gros salaires. Braquer deux taxis dans différents endroits dans la même nuit, c'est ce qu'ont fait deux hommes hier soir. À 18h, ils prennent un taxi à Vacoa, direction Floréal, où le chauffeur est tabassé et dépouillé. À la Louise, 3h plus tard, ils récidivent. La police leur a mis la main dessus. Deux Moldaves arrêtés pour fraude électronique avec de fausses cartes bancaires. Ils ont tenté d'effectuer des retraits au guichet de la HSBC au Codan. Galerchi Dorin et Edgar Patrasco sont détenus. La police creuse la piste d'un éventuel réseau de faussaires. Air Mauritius n'est pas satisfaite de son accord commercial avec Emirates et elle va le revoir. Selon le deal, Air Mauritius devait étendre son réseau et ramener des touristes du Moyen-Orient à Maurice. Mais deux ans après, les résultats sont décevants. L'accord sera revu. Nous perdons tout seul contre trois. Ni pour parler, ni alliance, Paul Béranger a encore une fois insisté que son parti ira seul aux élections. Le leader du MMM l'a dit lors de la présentation des 120 candidats aux municipales, parmi eux 43 femmes. Et on se quitte avec ce dessin. Notre caricaturiste POV fait un clin d'œil au Club M, au défenseur Bruno Ravina particulièrement. Il s'était fait mordre lors du match contre la Namibie. Maurice dispute ce soir un match moins sanglant, on l'espère, contre les Seychelles. Suivez ce match en fil rouge sur l'express.mu, le site d'information continue.